Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, François Fachi Ben Chana, Janine Ruth, Batfort, Mademoiselle Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom, et Ishaya Ben Inda, si vous souhaitez, vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étions ma secret PA, Perek Zain Mishnachet. A Magdish Karmo Ad Shelo Nodeu Boha Olelot, Ena Olelot, Lanim, Mishon Nodeu Boha Olelot, A Olelot, Lanim, Abi aussi Omer Itnu Schar Gidulav La Hegdesh. Eizei shichecha be'aris, kol she'eino yachol lifshot et yado velitela. Uberogliot, misheyavor hemena. On a deux sujets dans notre Mishnah. Le premier, c'est Amagdish Karmo, celui qui va sanctifier son vignoble, ad shelo nodeubo aolelot. Tant qu'on n'avait pas encore discerné, elles n'ont pas été sues, elles n'ont pas été discernées encore les olelot. C'est-à-dire, j'ai ma vigne. Donc, j'ai mes pieds de vigne que ça y est, ça commence à pousser. Je ne sais pas, j'imagine que ça doit être autour de Toubichval, ça commence un petit peu à fleurir, plus ou moins. Maintenant, on n'est pas encore capable de discerner qui sera une vraie grappe ou qui sera une olélette, une grappe pas fournie, comme on a dit, que c'est une seule tige ou ça se dispatche pas. Et, ouais, on n'est pas encore capable de discerner. Et j'ai tout sanctifié. Est-ce qu'on va dire que maintenant, bah, on a une grande règle d'abord, il faut bien comprendre. Un Adam Magdish d'avoir chez nous, chez l'eau. Un homme ne peut pas sanctifier ce qui ne lui appartient pas. Ça veut dire, imaginez que vous avez en main 100 shekels et que je dis, je les rends en kadosh. Ils ne sont pas kadosh parce que c'est à vous, c'est pas à moi. D'accord? Selon ce même principe, lorsqu'il y a quelque chose qui appartient aux pauvres, c'est un don qui appartient aux pauvres, ça ne t'appartient pas à toi. Donc si tu sanctifies, ça ne marche pas. De ce fait, tant que la Mishnah vient m'enseigne, tant que pour le moment on n'est pas capable de discerner les olélot, discerner qui sera une brigade, qui ne sera pas une brigade, pour le moment tout m'appartient. Tout m'appartient. Dans ce cas-là, je peux tout sanctifier et il s'avérera qu'en fait les pauvres, ils n'auront pas de olélot ici. Parce que tout va appartenir au Beth Amikdash. D'accord? Par contre, Miché no deubo a olélot. Par contre, à partir du moment où on commence à discerner quels sont les olélot, on voit bien clairement, il y a une qui a commencé déjà à former une grappe à se ramifier en plusieurs, on voit qu'il va y avoir plusieurs grappes, qu'il va y avoir plusieurs grains, tandis que là on voit une tige toute pauvre comme ça, on voit un petit bourgeon ici, un petit bourgeon par là, on comprend bien que ça va être une olélette, et là tu sanctifies toute ta vigne, et bien dans ce cas-là, cette branche-là, elle est plus kadosh, parce que cette branche-là, c'est pas la tienne, ça appartient au pauvre. Michenode ou boa olélot. Depuis le moment où étaient reconnus les discernés, donc les olélot, alors à olélot, l'anime s'appartiendra aux pauvres. Attention, je fais une petite pause, et je rappelle un problème qu'on a vu dans la Mishnah précédente. On a vu dans la Mishnah précédente, on demandera bien qui va, que en l'anime ba olélot kodem abatsir, c'était la dernière phrase. En l'anime ba olélot kodem abatsir, les pauvres n'ont un droit de prendre les olélot que lorsque je cueille, lorsque je fais les vendanges, la vendange de ma vigne, alors c'est le moment de laisser pour le pauvre. Or là, on a un grand problème. C'est que tu me dis que depuis que c'est encore sur l'arbre, ça appartient déjà au pauvre. Et effectivement, on a déjà répondu dans la mesure précédente, je ne sais pas si vous avez attention à ce que j'avais précisé, qu'en réalité, là, ça appartient au pauvre. Le pauvre n'a pas le droit de venir l'accueillir, c'est une autre histoire. Mais ça appartient au pauvre depuis le début, comme c'est écrit maintenant dans notre Mishnah. Rabbi aussi vient apporter une précision importante sur ça, que c'est en fait une marloquette. Rabbi aussi Omer, Itnu, Sachar, Gidulav, Lenglesh. Rabbi aussi dit qu'attention, les pauvres, ils vont peut-être prendre ces tiges, parce que j'ai pas réussi à les sanctifier, mais ils devront quand même payer le schar gidolav, le salaire de leur pousse, au Ekdesh. Soit, grâce à qui, c'est, tant qu'il y avait une petite tige avec des petits bourgeons, après c'est devenu des fruits entiers, qui ont gonflé. D'où ces fruits ont-ils puisé leur force pour devenir des vrais fruits? D'un champ qui appartient au Ekdesh, puisque j'ai sanctifié tout le reste du champ. En l'occurrence, les pauvres pourront certes prendre le olélot parce qu'ils sont pas des kadosh, mais ils doivent de l'argent au Ekdesh, ils doivent ce qu'ils ont tiré profit du Ekdesh par le fait que leurs fruits ont poussé grâce à l'argent, grâce au bien qui appartient au Ekdesh. D'accord? La lacha n'est pas tellement grande aussi, comme c'est dit dans le Barthénora, si je ne me trompe pas. Mais, ah non, la lacha est établie comme Rabbi aussi, d'accord? Alors c'est pas la peine de rallonger sur votre avis. Votre avis pense qu'en réalité, lorsqu'on a sanctifié pour les pauvres, le droit des pauvres, c'était même aussi de tirer
au fil du champ, donc tu n'as pas senti aussi ce qui était nécessaire pour faire pousser les fruits. C'est précisément. On ne va pas rentrer dedans. Retenez, on va dire pendant que la halakha est commande. Mais sinon, il faut payer le sera en pauvre. D'accord ? Ensuite, deuxième sujet de notre Mishnah. À partir de quand je dois laisser les pérettes, plutôt. Cette fois-ci, on va parler du pérette spécialement. D'accord ? Et Zoï Shechecha, plutôt, excusez-moi. Ni de pérette, ni de. Non, on parle de Shechecha. Il y a le même principe aussi qu'à Shechecha, vous savez, lorsque je ramasse, ou lorsque je cueille, et que je laisse quelque chose sur l'arbre parce que je l'ai oublié, ou lorsque je ramasse après les épis, comme on avait vu, Shechecha, je ramasse et j'ai laissé, parce que j'ai laissé, tu laisses pour les pauvres s'il reste un ou deux, comme on avait vu. Il y a aussi la même règle pour la vigne. Sauf que pour la vigne, c'est un peu différent, parce que la récolte du blé, c'est dérangé. Donc tu passes, tu cueilles, tu avances, avances. Mais dès qu'on est confronté à un arbre, c'est pas... Tu coupes l'arbre, tu cueilles les fruits. Donc tu prends de ce côté-là, après tu vas de l'autre côté, après tu vois qu'il reste encore de l'autre côté. Tu reviens sans arrêt, t'es en train de danser autour de ton arbre. Tu fais le tour, tu reviens, tu reprends. Donc du coup, on a une question maintenant. À partir de quand on considère que ce que tu as laissé, c'est une shechecha pour le Ezoï Shechecha Bea? Alors, on va parler maintenant de la shechecha dans la vigne. Mais dans la vigne, en fait, il faut comprendre qu'il y a deux manières de planter la vigne. Il y a soit on fait ce qu'on appelle une soukat gefanim. C'était d'usage, comme c'est expliqué, c'est rapporté dans la Torah, on en parle ça quand il y avait soukat gefanim, c'est rapporté dans Balak, avec la Ato Bilam. Et là-bas, il y avait un soukat gefanim, je crois que c'est écrit mes fois dans la Torah, je crois. Donc pour la vigne, c'est un arbre, on a déjà dit que c'est la vigne, c'est un arbre qui est. La qualité de la branche elle-même, elle est vraiment nulle, elle est bidon, elle est vide, elle est maigrichonne, je ne sais pas quoi. La vigne ne sait même pas se soutenir, c'est un arbre qui ne sait même pas s'élever tout seul pour pouvoir donner ses fruits. Il faut nécessairement qu'il pousse grâce à quelqu'un d'autre. Alors, il y a deux techniques. Soit on faisait des petites soukottes, ça veut dire qu'on plantait des tiges, on plantait des tasseaux de bois, on faisait une sorte de cabane en fait, rien, c'est 4 tiges et on les relie comme ça. Et du coup, la vigne, grâce à ça, elle réussit à grimper. Et du coup, elle s'étalait en haut pour donner ses fruits. Il s'avère qu'en fait, on avait les fruits, tu passais ensuite sous la cabane, tu récupérais les fruits qui étaient sous ta tête, en fait, d'accord? On faisait une cabane de, je sais pas moi, d'une hauteur de 1,5 m, la vigne elle grimpe, elle s'étale, et toi, tu viens en dessous, tu récupères tes fruits. C'est une première technique. Ou il y a une deuxième technique, c'est de ne pas faire des cabanes, mais c'est de les faire chacun indépendamment. On mettait toutes sortes de tuteurs et de branches pour que la vigne, elle va devenir un vrai arbre, en fait. Et grâce à ces tuteurs que tu as mis, elle va se ramifier, et puis après elle va faire des... Elle va être comme un arbre. Alors ça, c'est deux techniques pour faire pousser pour planter la vigne. Il y en a la première technique, les cabanes, ça s'appelle un haris. D'accord, je ne sais pas d'où vient ce mot. Pour faire des cabanes, le haris, c'est que tu l'as planté en... Comme il nous dit le Bartanora, haris, geren, jakvanim, shalam, moudlot, al-gabe, klonsaot. C'est pas précisé. D'accord, je ne sais pas d'où ça vient. Ah, il rapporte. Vetim lachon, ah, afarsenu ra'anana. Haris, ça vient au nom des tasseaux de bois, ça s'appelle des arsenu ra'anana. D'accord? RS, haris, haris. Et du coup, ça c'est haris, et le deuxième il s'appelle rogliot. Rogliot, c'est que c'est des pieds indépendamment, comme régale le pied. Alors maintenant, sur ces deux manières, alors, ezri shechecha baris. À partir de quand ça devient une shechecha lorsque c'était. Lorsque j'ai laissé tes cabanes, Michel répond, c'est très simple. Dès que tu as quitté maintenant, le problème c'est qu'on a plein de cabanes une après l'autre. Alors à partir de comment? À partir de quand on considère que ça a été quitté l'arbre, tu vois, en plus dessus? Alors la réponse elle est que, dès que tu t'es assez éloigné pour passer maintenant à la vigne d'après, et que tu peux plus facilement tendre ta main pour récupérer une grappe qui a été oubliée de l'autre côté. Là, ça signifie que tu as quitté le lieu où tu étais. Mais tant que tu es encore dans ce petit périmètre, alors dans ce cas-là, tu es encore sous le même arbre, tu as le droit de récupérer de nouveau les fruits. Au baogliot, par contre, ici c'est une roglite, donc c'est le pied de vigne que tu plantes indépendamment, chacun avec ses tuteurs qui vont l'aider à s'élever. Alors là, la limite, elle sera kshayavor et mena, depuis le moment où tu vas la quitter pour passer à autre chose, d'accord? Dès que tu vas la quitter, tu t'occupais d'un pied, tu as pris tout ce que tu pouvais, t'es passé à l'autre, puis Tom, quand t'es dans l'autre, tu regardes celui derrière, tu vois que t'as oublié une grappe de l'autre côté. C'est trop tard, tu viens plus, parce que cette fois-ci, tu l'as quitté, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, kol tov, c'est là.